Introduction. Bienvenue dans le Vieux Monde, un monde au vaste royaume, aux quêtes épiques et aux combats sanglants et féroces. Warhammer Invasion, le jeu de cartes évolutives, est un jeu pour deux joueurs auquel on peut jouer en utilisant simplement le coffret de base. Comme Warhammer Invasion est un GCE, vous aurez la possibilité de personnifier et d'augmenter votre expérience et votre amusement en améliorant votre jeu avec les extensions de 40 cartes que l'on appelle paquets de bataille. Chaque paquet de bataille vous fournira de nouvelles options et stratégies pour les decks du coffret de base, ainsi que des cartes pour construire vos propres decks. La boîte de base de Warhammer Invasion comprend 220 cartes, avec des decks de départ pour les races de l'Empire, du Chaos, des Orques et des Nains. Il y a de plus les cartes Haut Elf, Elf Noir, Neutre, Alliance et Draft. L'Empire, les Nains et les Haut Elfes constituent les races de l'Ordre. Elles peuvent être combinées pour former un paquet. De l'autre côté, vous avez le Chaos, les Orques et les Elfes Noirs qui forment les races de la Destruction. Elles aussi peuvent être combinées. Les cartes de l'Ordre et de la Destruction ne peuvent pas se retrouver dans le même deck. Les cartes avec un bord gris et sans aucun symbole racial sont neutres. Celles-ci peuvent aussi bien être utilisées par l'ordre que par la destruction, sauf si le texte de la carte stipule autrement. Ces plateaux indiquent la race que joue chaque joueur. Ils servent aussi à noter les dégâts infligés sur chaque capitale. Les quatre plateaux de cette boîte de base sont pour les races Empire, Nain, Chaos et Orc. Les pions ressources sont utilisés pour payer les cartes et les effets et pour marquer les progressions sur les quêtes. Les pions dégâts sont utilisés pour noter les coups encaissés par les unités et la capitale d'un joueur. Les pions flammes sont utilisés pour indiquer qu'une des sections sur la capitale du joueur a été envahie par les forces ennemies et est maintenant en flammes. Le but du jeu est de brûler deux des trois sections de la capitale adverse.